Nous sommes de retour, nous sommes pendant le match des Lions et après ce match-là, on a une nouvelle arbitre de cette année, là, Elisabeth Tardy, 15 ans de la Sarre, qui va officier le match. Oui. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Donc Elisabeth, c'est intéressant de savoir qu'il y a de la relève du côté de l'arbitrage à la Sarre. Et toi, tu as commencé cette année, tu me disais? Oui, j'ai commencé cette année. Dans quel niveau? Puis oui, Bantam, sur les lignes. OK. Bantam, tu as fait du 2B ou du 2 lettres? J'ai fait du B. Du B. Cette année, tu as décidé de t'impliquer au sein du tournoi Bantam. Oui. Puis qu'est-ce qui t'intéresse, là, une jeune fille de 15 ans qui veut devenir arbitre? C'est assez rare, là. Oui, c'est rare, là, mais c'est fun parce que je connais les règles du jeu, puis j'aime ça le hockey, fait que ça me fait vivre une expérience, une autre expérience dans le jeu du hockey. Elisabeth, tu me disais aussi que ton frère, tu essaies de suivre les traces de ton frère. Oui, c'est ça, j'aimerais ça, là, peut-être monter un peu plus haut, là, mais où je commence, où est-ce que j'ai commencé, puis après ça, on verra pour le futur. D'accord. Aussi, Elisabeth, là, tu es juge de ligne. Tu t'aspires sans doute à être arbitre en chef. Bien, c'est ça, j'aimerais ça peut-être, mais pas tout de suite. Je veux acquérir de l'expérience en étant juge de ligne, puis après ça, on verra ce que ça me réserve. Là. Ah, mais c'est super le fun d'apprendre ça. Félicitations pour ton implication, c'est super le fun de savoir ça. Puis on va espérer que tu deviennes arbitre en chef dans quelques années, peut-être assez, plus vite qu'on pense. C'est merci bon. Beaucoup, Elisabeth. Merci. François Melançon du Colisée de la Sarre.